Zelda no Densetsu, Breath of the Wild. 前回までは… 根拠は何もありません。 けれどわずかでも可能性があるのなら 私はそれにすがりたいのです。 明日、私は17歳になります。 あの山に行ってみようと思います。 Ah oui, Jesus, elle est toute petite la choupette. 17 ans. Donc du coup, en fait, ouais, c'est le jour de son anniversaire que Ganon a trouvé le moyen de ressusciter. Franchement, ce mec n'a aucune délicatesse. Ce mec est un bourrin et on n'a rien à foutre. C'est parfait, ça lui va très bien. Oh, Jesus Christ. De la lave. Fantastique. Pourquoi ils veulent tous me tuer? Ah, j'arrive pas à l'arrêter avant, hein. Oh là là. Oh, oh pardon. Oh pardon, amour. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le bain de lave. Oh chérie, oh, je suis tellement désolée. Ouais, et en plus, j'ai exactement ce qu'il me faut. Oh là, je crame. Oh là là, je crame. Excuse-moi, moi. Bonjour, monsieur. J'ai foutu le feu à votre temple. Appelez les pompiers. Ou les auras, plutôt, parce que je suppose que c'est un peu les pompiers de votre histoire, non? Non. Vous avez trois anneaux devant vous, monsieur. On dirait que vous essayez de refaire la Triforce. Sauf que vous savez que la Triforce, elle est triangulaire. Elle n'est pas circulaire. Oh, oh, je garde ça. Je le mettrai peut-être à la maison pour décorer. そして私たちの大冒険は今続いている。 Vous l'avez vu s'afficher. Nous sommes au relais des Piaf, les gens. Je vous avais dit la dernière fois que probablement on n'arriverait pas à aller chez les Piaf avant que je parte. Mais en fait si, parce que j'avais trop envie de les voir. Donc du coup je suis au relais des Piaf que j'avais trouvé auparavant et que je m'étais dit que je reviendrais pour vous montrer exprès. Donc le village des Piaf, il est juste là. On va y aller parce que je meurs d'impatience. On va juste parler un petit peu à Sarim. Nous nous retrouvons. Comment vas-tu, compagnon ? Nous sommes près de mon village natal, le village Piaf. Je dois avouer qu'il me manque. J'y ai laissé ma femme et mes enfants, vois-tu. Oh, je suis sûre qu'ils vont tous bien. Mais je ne pourrai pas y retourner tant que je n'aurai pas tenu la promesse que j'ai faite à mon maître. Une promesse? Ne me demande pas de quoi il s'agit, je crains de ne pas pouvoir en parler pour l'instant. Quand j'aurai accompli mon rôle dans la transmission des chants anciens, je pourrai te le révéler. Tu n'auras qu'à me rendre visite dans mon village. Mais c'est assez parlé, reprenons notre route. Je suis parfois bavard, merci de ton écoute. Ce chant est à propos du héros du passé, je le tiens de mon maître. Souhaites-tu l'écouter? Non merci, parce que je crois que c'est toujours le même. Mais j'adore t'entendre chanter, Asarim. S'il te plaît, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, et ne me regarde pas comme ça. Je kiffe t'entendre chanter, ok? Je vais remettre ma tenue bleue. Voilà, ma tenue de prodige, parce qu'on sait jamais si je rencontre quelqu'un qui a connu Link. Est-ce que... Oui, toi, je sais que tu vends des trucs. Je crois que j'avais tout vu à peu près ici. Savoir si j'avais des quêtes annexes à rajouter. Tiens, toi, je t'ai pas parlé. Salutations, camarade. Ma parole, suffit de te regarder pour deviner ce que tu viens faire ici. Tu veux tenter ta chance, pas vrai? Comment ça? Eh ben, à ton avis, aller à la montagne enneigée. Moi, je supporte plutôt bien le froid, alors je me suis pas spécialement équipée pour l'occasion. Mais au nord du village Piaf, vers la chaîne d'Ebra, ça commence à picoter sévère. Sévère, du genre mortel. Alors si j'étais toi, je me couvrirais les miches, camarade. D'accord, la fameuse montagne enneigée, très bien. Papy, je sais que tu veux du curry, mais j'ai pas les épices. Donc je propose qu'on y aille. J'ai très très hâte de voir les Piaf, en plus il fait beau, regardez-moi ce temps. Et j'ai envie de voir la femme et les enfants de... d'Asarim, du coup. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour toi? Qui es-tu?
Je m'appelle Guipa, j'appartiens à la tribu des Piaf. La tribu des Piaf? Oui. Petite tribu du lac Pipiaf, les mâles sont des archers hors pair et les femelles d'excellentes chanteuses. C'est bien ce que les petits Iliens apprennent à l'école, non? En tout cas, il serait dommage d'être venu ici sans faire un crochet par notre village. Mais j'y compte bien. Merci Guipa. Ouh là là. Révalie. Bref. Il y a un sanctuaire là-bas. Ouais, je sais, tu l'as senti, Coco. Faut pas s'appeler Merlin pour le trouver. Il y a toujours ces colonnes d'air un peu étranges. Un papillon, je ne l'aurai pas. Parce que je suis trop bébête. Ouais, je sais, je l'ai vu. On va l'activer, comme ça je pourrai revenir ici me TP quand je veux. Où qu'il est. Est-ce que je l'ai perdu de vue déjà? Bah, je crois qu'il est en haut de toute façon, donc je vais continuer. Il doit être de l'autre côté, c'est pour ça que je le vois plus. Ah! Oh punaise, quoi donc? Quoi? Oh ciel. Oh mon dieu, non. Il a juste hurlé, il a juste dit « Salut, c'est moi, je suis là. » Tu pourrais arrêter de me faire flipper comme ça pour rien, toi? Merci. Brutti. Tu es un voyageur? Je voudrais t'accueillir comme il se doit, mais je crois que ce n'est vraiment pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu la créature dans le ciel? Apparemment, elle s'appelle Vamedo. Elle est apparue il y a quelques jours. Certains ont tenté d'aller l'inspecter, mais elle a ouvert le feu sur eux. Autrefois, c'était la divinité protectrice du village, mais aujourd'hui, elle nous tire dessus dès qu'on veut s'envoler. Cela dit, on s'est rendu compte qu'elle nous laissait tranquilles tant qu'on restait au sol. Du coup, pour entrer et sortir du village, tout le monde passe par cette porte, à pied. Franchement, si c'est pas malheureux. D'autres questions? Tu es ici au village Piaf, mais il n'est pas très accueillant en ce moment. Si tu veux en savoir plus, demande au Piaf à l'intérieur. Non, merci. Salut. Vous êtes plus autorisé à voler, donc? Putain, c'est un comble pour un Piaf! Merde! Oh, hi! Bonjour! Mais je crois que j'ai pas assez de toute façon. J'ai cru entendre une enfant. Où est-elle? Elle doit jouer par là-bas. Bonjour! Oh. Hey, salut! Tu as déjà vu Vamedo? Tu sais la créature divine? Ouais, je l'ai vue. Ce machin volant inquiète tout le monde au village. Mais moi je m'en fiche bien, ma mère n'arrête pas de me rabâcher que je dois l'aider au magasin. La barbe. J'ai pas envie d'aider au magasin, moi j'aimerais ouvrir ma propre boutique et y vendre ce que je veux. Si seulement je pouvais trouver un endroit sympa pour ça. Tu t'appelles Pervier, quelque chose me dit que toi tu vas pouvoir aller au village 2-0, hein. Je suis pas stupide. Ah, qu'est-ce que c'est? L'hirondelle nichée, le havre de paix des voyageurs. Oh la musique! C'est la musique... Oh! J'arrive plus à parler. C'est la musique de l'île du dragon dans Wind Waker! Oh, c'est incroyable! Oh la nostalgie! Bonjour. Eh, hey, bonjour. Toi aussi tu es en voyage? Ouais, en quelque sorte. Je m'en doutais. Alors, tu te plais au village Piaf? J'ai toujours beaucoup apprécié la simplicité rustique de ce village. Mais je crois que je n'aurais pas dû y conduire ma femme pour notre lune de miel. Entre le froid et le manque d'animation, je n'entends que des plaintes du matin au soir. Misère.
Si ça continue comme ça, je ne donne pas cher de notre couple. Elle adore les pommes grillées et il est grand temps que je me mette au travail si je ne veux pas qu'elle me quitte. Le problème, c'est que je n'ai pas de silex pour faire du feu. Tu sais, mon pote, si ta femme, elle aime pas le village Piaf, elle peut aller se faire boire et se jeter du haut de cet hôtel. Hein? Parce qu'il est très bien, le village Piaf. Bonjour, madame. Est-ce qu'on peut discuter? Oh, excusez-moi. Je suis bien malotru. Oh, vous voulez pas? D'accord. Je peux vous parler que là. C'est un plaisir de t'accueillir, voyageur. Tu te trouves à l'Hirondelle Nichée, l'auberge du village des Piaf. Un lit normal te coûtera 20 rubis, tu peux aussi avoir un lit de plumes. Non merci. D'accord, si la fatigue commence à se faire sentir, n'hésite pas à revenir. Merci bien. Je voudrais d'abord aller visiter, j'ai pas besoin de faire dodo. Excusez-moi, bonjour. Oh, un voyageur, on dirait. Je parlais justement de ce monstre volant en bas mes dos. Apparemment, cette créature était de notre côté autrefois. C'est ça, il y a bien longtemps, c'est même Révali, le prodige de notre village, qui contrôlait cette créature. Si c'est le chef qui le dit, pas de raison d'en douter. Seulement, pourquoi s'est-elle mise à nous attaquer tout à coup? J'aimerais bien savoir et je ferai de mon mieux pour vous sortir de là, croyez-moi. Bonjour! Ah, mais vous vendez des trucs cool! Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la canne à sucre. J'ai vu qu'il y avait de quoi faire un dessert avec. Ouais, s'il te plaît. Merci. Je vais déjà m'arrêter là pour ça. Voyons voir, continuons un petit peu d'explorer. On a plein de choses à faire, si vous saviez. J'ai découvert plein de temples, on va peut-être pouvoir récupérer l'épée de légende. Oh, oh Jesus fucking Christ. Ok, c'est la tenue. Monsieur, excusez-moi, je veux tout. Oui. Oh là là, c'est une anti-froid. Tu vas être si beau! Je vais tout de suite t'équiper, t'inquiète pas. Faudra la faire augmenter par la fée. Oh, waouh! Je sais, c'est moi le client rêvé, je sais. Oh, et c'est moi tout ça, chérie. Oh, que t'es beau! J'adore. Ok, je vais quand même te remettre ça parce qu'on sait jamais si je tombe sur le chef du village. Faudrait peut-être qu'il me reconnaisse, peut-être plus à ma tenue de prodige qu'à... Oh, du coup, ça te garde la coiffe. Ah, c'est très bien. Oh, j'adore le village Piaf. Oh mon dieu, j'adore le village Piaf. On dirait un truc d'accrobranche, j'adore. Bonjour. Oh non. Oh non, pleure pas, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Tout ça, c'est à cause de cette vame et d'eau de malheur. D'abord le papa de Mirono qui a été blessé, ensuite le papa de Babil qui disparaît. On est toutes mortes d'inquiétude, maman, mes soeurs et moi. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire. Oh non, oh ciel, oh petit cœur. Oh, Cuigri, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. T'en fais pas, va. Bonjour. Oh, qu'est-ce que vous êtes mignon! T'es qui toi d'abord? T'es en vacances? T'es un aventurier? Y'a une grosse bébête dans le ciel, elle fait rien que nous embêter. Tu vas t'en occuper? Bien sûr. Non, fais pas ça! Tu comprends, si la bébête elle fiche le camp, j'aurai plus d'excuses pour pas répéter. Et Quill va plus me lâcher. Enfin, ça me fait de la peine que la bébête ait fait bobo à Monsieur Arfort, le papa de mon Hino, mais bon. Mais moi je veux pas faire de répétition, je veux pas chanter ces Burk. Ok? Mais c'est cool chanter, Choupette! Faut chanter, c'est cool! Ça donne le moral! J'adore chanter! Moi je chante pas très bien, mais j'adore chanter! Est-ce que je suis allée là? Oui, c'est là. Oui, c'est pour faire dodo. C'est pour faire dodo. Oh mon dieu! Hey! Bonjour! Tu veux écouter mon histoire? Avec plaisir! C'est vrai, tu veux bien? C'est gentil! J'adore raconter cette histoire! Alors! Il était une fois mon papy à moi qui habitait ici. Un jour, mon papy, il s'était perché sur un gros arbre au flanc d'une haute montagne et il a regardé au nord-ouest. Et tout à coup, il a vu un oiseau blanc très très gigantesque qui avait l'air de voler. Alors là, mon papy s'est envolé pour aller voir l'oiseau blanc. Et là, le ventre du grand oiseau blanc s'est ouvert et mon papy a vu un secret très merveilleux. Et tu sais ce que c'était ce secret? C'était quoi? Ça, c'est le moment où je m'endormais. Alors je sais pas c'est quoi le secret. Mais le grand arbre, ça, je sais où il est.
Il est là-bas, tu le vois? Mon papy, il a dit que c'est là qu'il a vu l'oiseau blanc. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, le secret du grand oiseau? Je peux plus demander à mon papy maintenant, c'est trop triste. Oh non, choupette, chérie d'amour. Ah, il y a un sanctuaire là-bas. Je les note au cas où. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons! Ah, ça y est, sanctuaire, je vais t'activer. Attends-moi, je suis là. Tayo! Oh, il y a des gens encore ici, très bien. Et pourquoi les oiseaux normaux ils se font pas attaquer? C'est pas très juste, hein. C'est du racisme. Je l'ai vu voler là, l'oiseau. Il s'est pas fait tirer par Bamedo. Bonjour. Je t'en prie, Quill, ne peux-tu donc pas t'empêcher de causer du souci à ta pauvre mère? Que se passe-t-il? Ma petite dernière, Quill, n'a que l'essor de pierre à la bouche. Elle me serine pour y aller depuis des heures. J'élève 5 filles, et depuis que cet animal est apparu dans le ciel, elles sont proprement intenables. Si seulement il était là pour m'aider. Enfin, j'ai assez à faire à m'occuper des petites, je ne peux pas me payer le luxe de me morfondre. Hey! Alors comme ça, j'ai pas le droit de sortir du village, soit disant que c'est trop dangereux ou je ne sais pas quoi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est faire un tour au sort de pierre pour chanter avec tout le monde. Il y en a marre de Bamedo. Quill, surveille ton langage. Oh, choupette, les sœurs de pierre. Atikana. Ouais, ça doit être ça, regardez, il y a un sanctuaire là. J'ai bientôt plus avoir de tampons. Bonjour, madame. Salut! Et dire que dans une période pareille, il se trouve encore des touristes en mal d'émotion pour venir nous rendre visite. De quoi tu parles? De quoi je parle? Tu n'as pas remarqué ce monstre qui vole au-dessus de nous, Bamedo? À cause de cette créature, les habitants du village vivent dans la peur. Si j'étais un chevalier formé aux arts de la guerre, j'irais régler son compte à cette créature sans perdre un instant. Tu es courageuse. Tu es courageuse, mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper, moi. Monsieur, vous êtes blessé? Harfort! Arg, ça fait mal. Bienvenue. Qu'y a-t-il? Tu ne fais que passer, toi. Ce problème n'est pas le tien. Maudit soit ce monstre. Non, 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 non! Qui es-tu? Je m'appelle Harfort, je suis le fabricant d'arc du village Abel Génial. Comme ça, je peux pas avoir d'arc. Les affaires ne vont pas fort en ce moment. J'ai une aile abîmée. Je ne peux plus travailler correctement. Je peux pas t'aider? D'écouter le chef. Oh ciel. Ah ciel de fuck. Can't I do something for you? Tu veux pas manger? Moi ça marche bien quand je suis blessée de manger. Non? Oh, je suis pas sûre que ce soit ça. Ah shit. Oh! Oh un arc de l'hirondelle. Par contre c'est pas du tout puissant. Hein. Mais c'était très joli. Bon. La place réveille. Madame, bonjour. Bonjour. Dis-moi, voyageur, as-tu vu Bamedo dans le ciel? Nous ne savons plus quoi faire pour nous en protéger. Chaque fois que je lève les yeux, je sens peser sur moi tout le poids de cette menace. Si seulement nous pouvions enfin profiter de la vie à nouveau. Et si je m'envole, moi, il me tire dessus, ce con? T'es où? T'es là. Ouais, c'est de la discrimination, regardez, il y a des oiseaux normaux qui peuvent voler. Bon, je vais continuer. Je suis pas très contente de ce qui se passe, mais pauvre petit bébé piaf, quoi. Madame, bonjour. Qu'est-ce que t'es belle, toi? Es-tu un voyageur? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien, oublie ce que j'ai dit. Mais non, parle-moi. Oui? Ne t'en fais pas pour moi. Et toi, petit chou? Oh, que t'es mignon! Bien le bonjour, messire! Bien le bonjour, petit. Bien répondu! Mon papa dit toujours qu'on reconnaît un homme bien éduqué à sa manière de vous saluer. Et tu sais quoi? Mon papa a promis qu'on allait jouer ensemble à son retour. Super! Carrément!
à la zone d'exercice au vol. Suffit d'ouvrir les ailes et wouhou, tu t'envoles super super haut. La zone d'exercice? Ah, Sokoka. Tu vois les drapeaux là-bas? C'est là qu'il y a la zone d'exercice au vol. J'espère que papa va revenir vite, j'ai trop envie d'y aller. Et ton papa, il est où? Ah, cool, c'est toi. Papa a promis de m'emmener jouer à la zone d'exercice dès son retour. C'est trop génial. Ok, je sais pas où est ton père, j'espère qu'il lui est rien arrivé, j'espère que c'est pas celui qui a disparu. Salut! Oh, mais t'es un Lily, on dirait. Tu te balades? T'essaies de te recentrer sur ton toi, ton moi profond? Ouais. Tel que tu me vois, je suis en lune de miel, mais je pensais pas atterrir dans un trou, dans un tel trou paumé. Dans la cité des Gerudo, on trouve des bijoux superbes. Le domaine Zora est un endroit riche en spiritualité. Ici, zéro. Je pense qu'à une chose, c'est rentrer chez moi. Dis pas ça, je vais te buter. Ah bon? Mais la con de toi. Allez, va te faire voir, comment tu oses dire ça. Monsieur, bonjour. Oh, hi. Oh, que t'es mignon. Le gros oiseau monstre là-haut, il me fiche les chocottes. Tu crois qu'il veut me dévorer? Toi aussi, le chef t'a raconté à quel point c'était un piou-piou trop méchant? Tu dois avoir très très peur, je parie. Moi, peur? Jamais. Ouais, super, je parie que t'es le prodige, c'est ça? Bien deviné, petit chou. Monsieur. Tiens, tiens, un visiteur. Mais, cette chose que tu portes à la ceinture, serait-ce? Mais où sont mes manières? Excuse-moi, jeune homme, je m'appelle Kai, je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheka, n'est-ce pas? En effet. Nom d'un petit oiseau, mais alors? Tu es donc un prodige, comme le grand Révali, l'un des rares à pouvoir accéder à Vamedo. Pourtant, c'est impossible, les prodiges ont tous péri il y a 100 ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants, héritier de la tablette Sheka. Pardonne-moi, mon garçon, j'étais perdu dans mes pensées. Héritier du prodige, j'ai à te parler. Serais-tu disposé à m'écouter? Je t'en serai éternellement reconnaissant, bien sûr, vas-y. Je te remercie infiniment. Maintenant que je sais que tu es l'héritier du prodige, j'ai une mission à te confier. Non, mais en fait, je suis pas un héritier, je suis le prodige lui-même. Voyons, comment présenter la chose? C'est simple, j'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village, Vamedo. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine. Un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle. Lorsque Teba et Arfor, deux guerriers de notre village, ont appris ça, leur sang jeune et ardent n'a fait qu'un tour. Ils se sont aussitôt élancés dans les cieux, bien déterminés à prendre le contrôle de Medo. Mais la créature les a accueillis à coups de canon et une de ses salves meurtrières blessa le malheureux Arfor. Héritier du prodige, je te supplie de nous aider. Et Teba, il est où? L'un des vaillants jeunes piafs dont je te parlais, Teba, veut retenter sa chance contre Medo. Trouve-le. Si vous unissez vos forces, vous viendrez à bout de Vamedo. Teba, je sais que c'est toi chérie, je te connais, je t'ai cherché partout, j'attendais de te voir et t'es en train de faire une mission suicide à la kamikaze. Ah, c'est pas une bonne idée. Oh ciel. Ah, je sais pas, où est-ce qu'il est moi? Il est peut-être tout en haut, je vois que ça, je vais sauvegarder d'abord. Je vais sauvegarder d'abord. Ciel. J'ai très envie d'aller le voir, d'aller le trouver. Il est tout en haut, à mon avis. Comment je fais, moi? Il faut que j'escalade. Bon, j'ai activé ça. Bah, écoutez, on va vite aller chercher l'emblème. J'ai très envie d'aller voir... D'aller voir Teba. C'est mon chouchou piaf. Après Révali. Réfléchis, parce qu'on a plein de choses à faire. C'est affreux. Et j'ai très envie de voir Teba. Normalement, il devrait m'être donné, celui-là. Ou pas. Ou pas. Ou pas du tout, même. Akovata, enchanté. Oh, ciel, what the... Moulin à vent, non, sans déconner. What the... Eh? Alors, je suppose qu'il faut que j'active tous les moulins à vent pour ouvrir la porte. I guess this is... Ok. Alors, ah tiens, je peux monter. Ah oui, d'accord, il y a un coffre. Oh. Okay. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir activer tous les...
tous les moulins à vent. D'accord, on va regarder ça. Du coup, je pense qu'on va essayer de récupérer ce... Génial, un cœur antique. On va essayer de récupérer l'emblème ici. Et j'aimerais aller chercher l'épée de légende. Savoir si on peut l'obtenir. On a une grande fée à trouver. Et après, j'aimerais beaucoup quand même voir Théba avant de partir. Donc, on va voir. Alors, écoutez. Il faut activer tous ces machins-là. Ah oui, attendez. Toi, là. Toi, toi, comme ça, toi, comme ça. Alors attendez, maintenant j'ai besoin de revoir la... Link, tu peux monter, chérie, s'il te plaît. Voilà, le plus dur c'était d'activer cela, ce qui fait que ceux de la base, c'est bon. Je n'ai plus besoin de m'en occuper. Donc lui, si je le tourne là... Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Tac. Le plus chiant, c'était de faire ceux du milieu. Toi. Go. Go. Et il ne reste plus que toi, normalement. Go! Ah! Yes! C'était ça, fallait surtout commencer par ceux du milieu. Une fois que tu t'es débarrassé de ceux du milieu, c'était facile. Nickel Chrome, baby! Allez, à boule mon emblème du triomphe! C'est de l'ice tea, c'est pas de la bière. Nickel. Oh, elle te va bien cette coupe, chérie. Oh, mais là, j'y crois pas, l'autre femme là qui dit que le village Piaf c'est de la merde. Je vais la buter, j'aurais dû la pousser. Ah, mais j'en ai 8. Ah, je peux récupérer 2 cœurs. Oh, il fait déjà nuit. Enfin déjà, fin de journée. Je peux récupérer 2 cœurs. Alors, wait a second. Où est-ce que je peux récupérer... Non. J'adore cette musique. Ouais, je crois qu'elle était tout en bas. On va récupérer les cœurs. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Elle était là, c'est parfait. Prions la déesse ensemble. Un cœur. Oui. Yes. Oui, encore. S'il te plaît. Ah, tu refais pas la démo. Ok, alors attendez, là j'en ai combien? 3. 3, 6 et 3, 9. 12, 13. Normalement j'en ai 13. Normalement ça devrait être bon, donc... allons essayer de chercher la Master Sword. T'es prêt, Link? Garde-moi quand je te parle. Mais oui, t'es prêt.